Le président du directoire de la Deutsche Bank visé par une enveloppe piégée. Le courrier suspect a été intercepté hier, adressé à Josef Ackermann, visage du capitalisme en Allemagne. Il contenait de la poudre explosive, visiblement de fabrication artisanale. Le Suisse Ackermann est la tête de Turc des indignés allemands. Ses commentaires pessimistes sur la Grèce lui valent beaucoup d'inimitié. Les salariés de la Deutsche Bank s'interrogent, mais ne cèdent pas à la panique. Il y aura toujours des gens pour penser que ce genre de choses est la solution, une façon de se venger de quelqu'un. Mais en tant qu'employé, je ne me sens pas menacé. On commence à se demander pourquoi et si ce genre d'action est justifié. La police tente toujours de remonter jusqu'à l'expéditeur. En 1989, le patron de la Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, avait été assassiné par les fractions armées rouges.